Bonjour, chers producteurs et productrices acéricoles du Québec. Ça nous fait plaisir de vous présenter, dans le cadre de la tournée d'hiver 2021, des informations, des actualités acéricoles, comme on le fait déjà depuis quelques temps. Donc, aujourd'hui, plan de la présentation, essentiellement, on va vous parler de l'état de situation par rapport à la pandémie, bien sûr. Après ça, on y va avec l'agence de vente, le classement, le contingent, les communications corporatives, la promotion du sirop d'érable à travers nos agences et finalement, on termine avec quelques petits dossiers. Donc, d'entrée de jeu, on est encore en période de pandémie, vous le savez. Donc, on continue d'appliquer la même programmation, la même adaptation qu'on a commencé à faire en 2020, c'est-à-dire beaucoup de télétravail pour une partie des employés des PPAQ, mais l'offre de services de la Fédération ne change pas. Donc, c'est toujours la même, mais on a adapté forcément pour protéger notre personnel et l'offre de services de l'association. En même temps, on a maximisé nos rencontres par Zoom et par Teams, donc beaucoup de conférences, de vidéoconférences à distance et également ça se répercute forcément sur la tournée d'hiver qui débute actuellement. Donc à peu près une 8 à 9 rencontres d'informations qui vont se tenir un peu partout au Québec. Donc si ce n'est pas déjà reçu de votre part, vous allez avoir forcément des informations pour vous brancher et avoir accès à toute l'information possible que voici. Bonjour chers producteurs et productrices, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on regarde le niveau de la récolte, les ventes et aussi certaines améliorations qu'on a apportées dans certains programmes. Donc, le premier tableau que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le bilan mondial de la récolte. Donc, encore une fois, cette année, ça a été une récolte record pour le Québec. On a produit tous ensemble 175 millions de livres. Aux États-Unis, ils ont produit près de 51 millions de livres et les autres provinces ont produit un peu plus de 14 millions. Donc, ce qui nous donne au total en Amérique du Nord, plus de 240 millions de livres qui ont été produits, tandis que l'année dernière, on avait produit tous ensemble 223 millions de livres. Lorsqu'on regarde le prochain tableau, vous allez voir apparaître éventuellement à l'écran, il y a le classement et des ventes liées au PPAQ, donc de l'agence de vente. Donc, pour 2020, en date du 15 janvier, les producteurs ont livré pour classement plus de 150 millions de livres. Les ventes se situent à 144 millions. De ce 144 millions, une grosse partie est déjà facturée, mais il reste encore des ventes et des commandes qui seront facturées là, dans les prochaines semaines d'ici le 27 février. Ce qui nous donne à ce temps-ci un estimé d'une réserve de 107,7 millions de livres. On se rappelle que la réserve est en deux volets. Le volet industriel, qui lui se situe autour de 17,8 millions, et le volet typique ou bon goût, 89,9. On peut aussi regarder l'inventaire sous un autre angle, qui est le intra ou le hors contingent. Donc, présentement, en intra contingent, on est à plus de 74 millions pour 33 millions de livres de hors contingent. Les ventes, plus en détail, donc on a une augmentation de 13,6 versus l'année passée. L'année passée, on avait 126,8 millions de livres. Là, on est à 144. Quand vous regardez le tableau, le bâtonnet en orange pour l'année 2020, c'est les ventes de l'année courante, donc de la récolte 2020. Elle se situe à près de 131 millions de livres et on a 12,8 millions de livres des années antérieures. Là, et le tout sera payé là, au 15 mars 2021. Lorsqu'on regarde plus précisément le pôle industriel, lui a fait un bond. Cette année, on va terminer à plus de 5,1 millions de livres et l'année dernière, on était à 2,2. Le 5,1 est autour de 3,9 pour l'année 2020 et de plus de 1,1 million là, pour la récolte des années antérieures. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que le paiement au 15 mars sera un bon pourcentage là, pour le sirop industriel. Bien entendu, cela se reflète sur nos exportations canadiennes nettes des produits de l'érable à travers le monde. Donc, quand on regarde les tableaux pour la période du 1er janvier au 30 novembre, on s'aperçoit qu'il y a eu un bond de 24 % versus l'année dernière. L'année dernière, on avait exporté plus de 96 millions de livres et cette année, on est rendu à plus de 119 millions de livres. Donc, c'est très intéressant et ça reflète là, le fait aussi que l'agence de vente est maintenant à 144 millions. On a rajouté deux tableaux pour... On vous avait présenté il y a quelques années notre planification stratégique, donc de 2017 à 2023, puis on voulait vous démontrer où on est rendu là, en 2020. Donc, quand on regarde le tableau 2020, on se rend compte que nos ventes sont à 144 millions, puis on avait comme objectif
en 2020, selon la planification, d'être autour de 146 millions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a pratiquement atteint notre cible et c'est encourageant là, pour les prochaines années pour arriver à notre objectif là, de 185 millions. Le pôle industriel, lui, a déjà atteint la cible qu'on s'était fixée pour 2023, donc c'est très encourageant. On est déjà à plus de 5 millions et on pensait être seulement à 5 millions en 2023. Donc, pour cette catégorie, les ventes sont en grande progression et c'est très intéressant. Il y a le dossier des frais de mise en marché qui a beaucoup suscité des questions des producteurs auprès de nos équipes et auprès des élus. Donc, l'année dernière, il y a eu une grande réflexion de la part du conseil d'administration et des cadres pour répondre à la demande et au questionnement des producteurs. Donc, à l'automne dernier, il y a une décision qui a été prise par votre CA. Donc, la décision, c'est que pour les années 2011 à 2013, donc avant l'arrivée du pôle industriel, lors de la vente des sirops industriels qui amènent des frais de mise en marché, donc quand on émet un rabais à l'acheteur, ces frais seront pris à même le fonds de gestion des surplus. Donc, le 4 sous que vous contribuez via votre prélevé sera utilisé pour combler le rabais qui aurait été mis à l'acheteur. Donc, la valeur qu'on estime qu'on devra provisionner là, en fin d'année au 28 février 2021, donc quand on prend les livres en inventaire d'industriel de ces années fois 55 sous la livre, on arrive à un montant de 4 700 000 $ qui devrait être provisionné à la fin de l'année. À partir des récoltes 2014 et suivantes, donc quand le pôle industriel est arrivé, la méthode qui a été choisie, c'est la méthode du volume total produit qui va être utilisée pour répartir les frais de mise en marché quand il y en aura pour chacun des producteurs. Donc ça va s'appliquer autant pour le pôle industriel que le pôle typique ou régulier. Dès le paiement du 15 mars 2021, pour le transfert hors contingent qui va être utilisé pour combler la récolte 2020 dans le pôle industriel, on va retenir un montant de 55 sous la livre dans le fond parce que présentement, la valeur est à 1,80. Puis quand on regarde le prix de la convention, il y a un rabais de 55 sous. Donc, on va remettre au producteur 1,25 comme la convention l'indique. J'ai fait un petit exemple. Qui peut vous permettre de voir, j'ai pris trois producteurs qui ont une production de 20 000 livres. Le premier producteur a 20 000 livres de contingent, mais il a tout produit sous contingent. Tandis que le deuxième, lui, a produit plus d'intra, mais il a produit quand même du hors contingent. Et le troisième, lui, a produit aussi de l'intra, mais beaucoup plus de hors contingent. Quand on va faire le calcul, le dénominateur va être tous le même. Ça va être le volume total produit. Ils auront tous 20 000 livres. Donc, le taux dans l'exemple est de 2,23. On multiplie par 20 000 livres. On va arriver à 446 $ pour chacun des producteurs auront une charge de frais de mise en marché sur la valeur de leur inventaire. Quand toutes les années, tout le sirop de cette année-là aura été vendu, ils auront eu tous la même cote-part. Et je pense que cette façon de faire répond à la demande là, des divers producteurs selon les questions qu'on avait eues. L'autre volet, c'est l'avance sans classement qui fait partie du programme de PPA. Donc, on se rappelle qu'au printemps dernier, on avait mis en place ce programme. On revient avec. Il fait partie c'est un complément au programme de paiement anticipé qui est offert par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et il est rendu disponible, là, puis c'est nous, les PPAQ, qui l'administrent. L'objectif de ce nouveau programme-là, de l'avance sans classement, c'est de permettre aux producteurs de recevoir une avance de 50 % sur la base de déclaration de sa production. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va rendre plus rapidement de l'argent aux producteurs qui vont y participer et ça enlève aussi une certaine pression sur le classement. Ce que vous devez faire, vous, comme producteur, bien entendu, vous devez avoir rempli votre formulaire pour le paiement anticipé que vous allez pouvoir faire dans les prochaines semaines. Remplir le formulaire de déclaration de production, lorsque vous avez terminé votre production. Vous allez indiquer le nombre de barils que vous avez produits et que vous voulez livrer à l'agence de vente. Et vous allez signer le formulaire. Puis, ce qui est important, c'est de s'assurer d'avoir une couverture d'assurance pour que les barils que vous avez encore à votre cabane sont couverts. Celle-ci, elle peut être donnée aussi par vos acheteurs. Puis, par la suite, vous nous faites parvenir le formulaire. Et nous, au PPAQ, quand on reçoit le tout, on va regarder votre demande, on va regarder le nombre de barils, on va le convertir en livres selon le type de baril que vous avez choisi. Si
Si votre volume qu'on a calculé, donc le nombre de barils fois le poids, ça donne plus petit que votre contingent, on va prendre votre volume qui est déclaré. Si le volume est plus grand que votre contingent, on va prendre le volume du contingent qui vous est attribué pour la récolte 2021. Par la suite, le volume est validé. Il va être multiplié par le prix moyen des 5 dernières années, puis celui-ci a été approuvé par AAC. Par la suite, on prend le montant en dollars et on le multiplie par 50 %. Ça vous donne le montant qu'on va vous avancer. Puis ce montant se scinde en deux, comme 48,5 % provient de l'entente avec AAC, jusqu'à un maximum de 100 000 par producteur. Puis il y a 1,5 % où la différence provient des fonds des PPAQ. À cette étape-là, aucune récupération du prélevé est faite. La seule récupération qu'on fait, c'est si le producteur a participé au programme d'avance à l'entaille, on récupère l'avance à l'entaille. Par la suite, quand vos sirops, vos barils auront été livrés à l'agence de vente et seront classés, on va émettre l'avance au classement normal, au taux établi en début de saison, exemple 65 %. Par la suite, on récupère dans cette avance au classement-là le prélevé, les taxes qui s'appliquent, certaines autres créances, et on va venir soustraire l'avance sans classement. Puis on va par la suite vous émettre votre paiement. J'ai fait un exemple qui permet de voir du côté gauche l'avance sans classement, puis par la suite le paiement qui est fait suite au classement. Donc, si on regarde, on a l'exemple dans que vous voyez, il y a 120 barils qui ont été déclarés. Le producteur, c'est poids moyen qu'il a choisi, c'est 423 livres. Donc, on multiplie 120 fois 423, on arrive à un volume de 50 800 livres de production. Quand on regarde son contingent, il est de 59 000 livres. Donc, on va utiliser le volume de 50 800. On va le multiplier dans l'exemple à 2,83. Ça nous donne une valeur estimée de 143 764 $ qu'on va venir multiplier par le 50 % qu'on peut émettre. Donc, ça lui donne une valeur de 71 882. À cela, on va venir retrancher l'avance à l'entête que ce producteur-ci a eu, donc 37 600. On lui émet un paiement de 34 282 $ Quand il a livré ses barils à l'agence de vente et qu'ils sont classés, on émet l'avance au classement. Donc, on a toujours nos 120 barils, mais son poids est plus de 441 livres moyens. Donc, ça donne une production de 52 916 livres. On le multiplie par son prix moyen à lui, qui est de 2,92. Donc, c'est son résultat de classement. Ça donne sa valeur d'inventaire de 154 314,48. On multiplie par le taux d'avance au classement à cette date-là, qui est de 65 %. Donc, ça lui donne une valeur de 100 304,41. On vient retrancher ses contributions, les taxes. Dans ce cas-ci, on a l'exemple des contributions au détail qu'on retient. Donc, ça lui donne une avance de 91 714,27 qu'on devrait payer au producteur. On lui a déjà envoyé un chèque pour son avance à l'entaille. On lui a déjà envoyé un montant pour l'avance au classement de 34 000. Donc, ça lui donne qu'après son avance au classement, ce producteur-là va recevoir 19 832,27. Si on fait une réconciliation des paiements que le producteur a reçus, on voit qu'il a reçu une avance à l'entaille de 37 600 avant le début de sa production. Par la suite, quand il a produit ses barils puis il a fait la déclaration de sa production, il y a eu une avance en classement de 34 282. Et par la suite, on a eu son classement. On lui a émis un autre chèque ou un paiement par transfert bancaire de 19 832. Donc, le producteur a eu un montant de 91 714 et c'est le total de ce qu'il aurait dû recevoir. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à appeler le service au producteur. Ils seront un plaisir de vous répondre et de vous aider, vous guider dans ce nouveau programme. Bienvenue au service producteur. Débutons avec le niveau du paiement intra contingent. Le tableau démontre les pourcentages des paiements de sirop pour les années récoltes 2011 à 2020. Prenez note que pour les années 2011 à 2013, c'est pour le sirop de toutes les catégories, tandis que pour les années 2014 et subséquentes, cela représente les sirops typiques. La couleur orangée démontre le paiement de l'année courante, tandis que la couleur grisée, c'est les ventes qui seront payées par la suite. La moyenne payée pour les années récoltes 2011 à 2019 est de l'ordre de 95,4. Pour l'année récolte 2020, nous sommes à 62,7, ce qui reflète le paiement pour les ventes récoltes de l'année 2020 du 1er mars au 31 octobre inclusivement.
Le pourcentage fait aux producteurs qui participent au programme de paiement anticipé en date est de l'ordre de 85 %, ce qui démontre que les ventes vont bon train. Comme à chaque année, tel que stipulé dans le règlement de l'agence de vente, les paiements pour les années récoltes antérieures et courantes s'effectueront pour le 15 de mars 2021. Poursuivons avec le niveau de paiement de sirop catégorie de transformation. Ce tableau représente le pourcentage des paiements des sirops industriels pour les années 2014 et suivantes. Pour les années 2014 à 2019, la moyenne est de 26,4 %. Pour le 2020, le pourcentage de paiement est de l'ordre de 42,4 %, ce qui reflète les ventes du 1er mars au 31 octobre, inclusivement pour l'année récolte 2020. Sachant que les ventes sont au rendez-vous et qui vont bon train, le pourcentage de paiement pour la mi-mars reflétera que les ventes sont en rendez-vous. Poursuivons avec le virage numérique. Actuellement, 77 % des entreprises sont en correspondance courriel et dépôt direct représente 83 %. Je tiens à préciser que les producteurs et productrices qui participent au programme de paiement anticipé, le dépôt direct est de 100 % car il est requis. Dans un contexte d'optimisation, d'amélioration de nos processus d'affaires, nos objectifs avec le virage numérique, c'est de produire des outils qui facilitent la diffusion d'informations via le web producteur, vous permettre de recevoir des notifications courriel lors de classements, paiements ou autres documents, vous mettre en place des applications qui réduisent la charge administrative et les coûts qui en sont reliés. Ceci étant dit, vous pourrez accéder rapidement et de façon sécuritaire à la diffusion de l'information des PPAQ. Dans un dernier temps, ce virage numérique nous permet de réduire les délais de traitement de vos dossiers. Une nouveauté cette année, le PPA en ligne sera disponible dès la fin janvier et des notifications courriel vous seront envoyées pour vous aviser et le dépôt direct est requis. Poursuivons avec l'accès au web producteur. Le web producteur, comme vous le savez très bien, est un outil essentiel qui contient toutes les informations et documents administratifs qui sont nécessaires aux producteurs et productrices dans la gestion de leur entreprise. Vous pouvez y avoir accès via le ppaq.ca et le web producteur vous permet de consulter et de sauvegarder vos documents tels que les sommaires de paiement, certificats de contingent et bien d'autres. Si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à y adhérer le plus rapidement possible. Vous pouvez toutefois communiquer avec le service au producteur si vous avez besoin de support. Poursuivons avec la fiche d'enregistrement de l'année récolte 2020-2021. À noter qu'elle aurait dû être transmise pour le 31 décembre 2020. Un rappel a été fait le 20 janvier dernier à l'effet que 1650 producteurs n'avaient pas répondu à la fiche d'enregistrement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à le faire dans les plus brefs délais, car elle est essentielle pour faire le classement de votre sirop. Remplir votre fiche via le web producteur est plus rapide. Au niveau des statistiques des fiches d'enregistrement, 2020, il y avait 7103 entreprises. Les producteurs et productrices qui ont adhéré via le web représentaient 52 %, 41 % papier et 6 % des fiches dont nous n'avons pas reçu. Pour l'année 2021 qui est en cours, je tiens à préciser qu'il y a 7168 entreprises, mais des 7168 entreprises, 1650 n'ont pas retourné la fiche d'enregistrement. Donc, à date, pour le web producteur, ceux qui ont rempli via le web représentent 54 % comparativement à l'année passée, 52. Et j'ose espérer que le pourcentage va être beaucoup plus élevé, sachant que 1650 entreprises n'ont toutefois pas encore retourné leur fiche. Côté papier, ça représente 20 % Pour les pourcentages de l'année récolte 2021, ils vont être en évolution, sachant que nous n'avons pas terminé de recevoir les documents. Important, sommaire de l'entente californienne. Pour l'année récolte 2021, les entailles plus petites que 10 000 représentent 79 % de conformité pour 3 522 entreprises. Entre 10 000 et 20 000 entailles, ça représente 91 % et plus grand que 20 000 entailles, 92 %. Veuillez noter, comme je vous ai dit précédemment, il y a 1650 entreprises qui n'ont toutefois pas retourné leur fiche, donc les pourcentages sont en évolution pour les sommaires de l'entente californienne 2021. Nouveauté cette année, formulaire du programme de paiement anticipé en ligne. Dès la récolte 2021, vous pouvez remplir vos demandes de participation au programme de paiement anticipé en accédant à votre dossier numérique via le web producteur sous la section formulaire. Sera disponible dès la fin janvier et une communication courriel vous sera acheminée ainsi qu'une procédure.
Le seul document à retourner papier et signé est l'annexe A, l'hypothèque mobilière. Elle s'adresse aux nouveaux producteurs ainsi qu'aux entreprises qui ont une augmentation de leur valeur. L'original est requise car elle doit être enregistrée au registre immobilier. Le volet technologique. L'objectif des PPAQ est d'améliorer la transmission d'informations en utilisant davantage le dossier numérique du producteur. Les projets en cours sont l'adhésion en ligne du programme de la réserve stratégique. Actuellement, vous allez avoir le programme de paiement anticipé, l'avance sans classement, et là maintenant, ça va être le programme de la réserve stratégique. Vous allez recevoir des notifications courriel lors des résultats de vos révisions. Aussi, vous allez pouvoir permettre de donner accès à une ressource à votre dossier numérique ou à une section de votre dossier. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour, chers producteurs et productrices acéricoles du Québec. Moi, je suis là ici pour vous présenter le classement 2020. Donc, au départ, une quinzaine d'acétates. Donc, portrait de la production 2020. Fait qu'on peut voir la comparaison entre 2020 et 2019. Ça se ressemble pas mal au niveau du pourcentage, mais il y a quand même eu 11 millions de livres de plus de produits en 2020. Si on tourne à la prochaine diapositive acétate, le nombre de barils classés au quotidien en 2020, nombre de barils classés et en révision. Donc, lui, classé, on voit bien en bleu toute l'évolution de la loi normale qu'on voit en bleu. Puis au niveau des révisions, c'est un ajout qu'on a fait cette année. C'est des multiples de 120 parce qu'on fait 120 barils par révision. On voit aussi, donc globalement, c'est quoi la tâche de travail au niveau d'ASER, division, inspection entre classement et révision. Cette troisième acétate-là, c'est par syndicat. C'est un portrait de la production 2020. Donc, on a 6260 producteurs. C'est tous les producteurs, là, dans le fond, qui ont produit cette année. L'année passée, c'était pas mal un chiffre équivalent. L'objectif de cette acétate-là, dans le fond, c'est de démontrer au niveau de l'industriel, c'est qui a fait le plus d'industriels à travers ces 6200 quelques producteurs. Donc, on voit moins de 1 % c'est 73 % des gens qui n'ont à peu près pas fait d'industriel. Puis, on voit le barème un petit peu plus au niveau d'en haut de 10 % que là, ça, en additionnant chacune des différentes causes, en haut de 10 % jusqu'à plus grand que 50 %, c'est à peu près 9,7 %. Donc, 10 % des producteurs qui ont fait plus de 10 % d'industriel. Puis moi, c'est sur ces 10-là que moi, j'aimerais qu'on en parle un peu. Moi, je m'occupe, dans le fond, de la recherche, de la qualité, du classement, du lien avec les acheteurs. C'est certain que c'est important d'arriver à s'améliorer en termes de qualité en tant qu'industrie. Puis je pense qu'il y a des pourcentages, il y a des éléments qu'on peut travailler ensemble pour s'améliorer. Donc, les 6260 producteurs, si on va à l'autre acétate après, donc 9,7 % de tout, ça équivaut à 608 producteurs. Donc, fait qu'on a vraiment mis en détail un petit peu plus par syndicat encore, puis par grade, dans le fond, du pourcentage sur le total de la production au niveau de sirop industriel. Fait que ces 608-là, on peut aller, puis encore cruncher un petit peu plus le détail. Fait que si on y va un peu plus, là, j'ai deux tableaux un petit peu plus que j'ai mis des critères de sélection de, bon, en haut de 10 % d'industriels au niveau de l'année 2020, mais aussi qui ont produit aussi 10 000 livres au niveau de leur vrac, dans le fond, en 2020 également. Fait que là, ça divisait à peu près de moitié à 362 producteurs. On peut voir aussi, d'une autre façon, de l'autre analyse, le tableau à droite, qui représente 10 % du VR5 qui a été en 2019, donc les 608 que je vous ai présentés, mais en plus, pour 2019 et 2020. Fait qu'on avait vu les 608 pour 2020. Fait que pour 2019, j'ai rajouté, les autres qui avaient fait 10 % plus, puis là, au total, on a 109 producteurs. Ces 109 producteurs-là, ça fait deux années qu'ils font plus que 10 % d'industriels. C'est certain, moi, c'est ce type d'entreprise-là, moi, que j'aimerais ça qu'on trouve des façons pour pouvoir améliorer la qualité de leurs produits. Il y a un pourcentage qu'on, je suis certain qu'en tant que industrie, qu'on est capable d'arriver à un autre niveau de maturité au niveau de ce type de production-là. C'est pour ça, le prochain acétate que je vous amène au niveau du bulletin qualité. En 2019, l'année passée, on avait créé le 1.0 bulletin qualité. Là, on est rendu au 2.0. Donc, pourcentage de producteurs au niveau des éléments. Donc, moyenne régionale, moyenne provinciale et une nouveauté cette année, moyenne des 5 dernières années de l'entreprise. Donc, on est capable de se comparer à court terme. On est capable de se comparer aussi à long terme.
Donc, si on retourne la prochaine, fait qu'on voit ici, bon, on voit doré dans l'exemple à droite ici, doré, ambré, foncé et très foncé. On voit qu'est-ce qui est en bleu, donc 2020 pour un producteur, c'est un exemple, et qu'est-ce qui est en orange, donc 5 ans. Donc, on voit le long terme versus le court terme, si on s'améliore, si on ne s'améliore pas. Fait que ça, c'est un élément qui est intéressant, dans le fond, à amener pour des différentes prises de décision pour les producteurs. De plus, l'autre graphique qui est le lien entre la qualité, la production et l'argent dans vos poches, c'est un lien avec, on voit en bleu, bon, le nombre de livres produits par le producteur, le prix moyen de l'entreprise. Fait qu'on voit, dans le fond, c'est quoi le prix moyen en fonction de livres et versus le prix moyen, la livre qu'on vous paye à la fin de l'année. Et vous avez le prix moyen pondéré provincial. Donc, vous pouvez vous comparer à la province. La prochaine acétate au niveau des laboratoires centralisés 2020. Donc, on peut voir qu'il y a près de 100 000 barils qui ont passé par les spectraceurs et 46 000 qui est passé par l'autre équipe à côté du spectraceur pour être en mesure de en cas que le spectraceur, il y avait beaucoup à classer pour pouvoir venir supporter une journée de classement. Donc, c'est l'équipe du spectraceur et l'équipe de la deuxième équipe à côté. Au total, ça représente 44 % de toutes les barils cette année qui ont été classés dans les laboratoires centrales versus une trentaine de % là, dans les dernières années. Fait que ça a été quand même un élément très, très intéressant cette année. En 2021, c'est certain qu'on va travailler pour améliorer encore plus ce processus-là, cette efficacité-là, standardiser encore plus les méthodes de travail pour encore s'améliorer. Quand on va au niveau de l'augmentation substantielle des révisions de classement, donc il faut se rappeler, 2018, on avait près de 4 000 révisions de classement. 2019, on avait entre 9 et 10 000 révisions de classement. Et 2020, là, on a plus de 16 000 révisions de classement. C'est certain que dans un processus, avant, on avait 4 000, là, ça montait à 9 000. Là, nos processus, il a fallu qu'on change quand même rapidement pour être de plus en plus efficace à cette demande grandissante-là, vu qu'il y avait eu toutes les révisions au niveau de l'industriel, il était automatique. Donc, ce nombre de révisions-là, on voit un peu la façon que ça s'est arrivé. Donc, on voit pour VR1, VR2, VR4, les gens demandaient une demande de révision. Fait que c'est 8 % de cette catégorie-là, dans le fond, qui a été demandée. Un baril sur 10 qui a été demandé en révision. Et VR5, c'était, comme je vous disais, c'était automatique pour 2020. Mais pour 2021, on va en parler un peu plus tard, ça va changer un peu. Donc, au total, on voit 16 197 barils, donc c'est quand même 5 % de la production là, qui est passée en révision. Là, si on revient dans le fond au niveau des révisions de classement, c'est certain, là, au mois de mars dernier, là, on avait 43-44 % là, d'amélioration. Quand je l'avais présenté à la première vidéo, on était à 43-44 là, à la fin de l'année. On est rendu à 37. Donc, à la fin de l'année, dans une valeur commerciale, il y a eu 37 % qui s'est amélioré. Il y a eu près de 58 % qui est resté pareil et il y a 5 % qui s'est détérioré. Fait que c'était l'élément, dans le fond, qu'on ne comprenait pas. Puis, c'est les actions futures dans les prochaines acétates qu'on a mis beaucoup d'actions en place pour pouvoir améliorer pour 2021 et le futur. Parlant, dans le fond, d'améliorer pour le futur, dans le fond, j'ai mis à l'écran la résolution du classement adopté à l'AGA de novembre dernier. Donc, on résume un peu qu'est-ce qu'il y avait dans cette résolution-là, d'accentuer la rencontre de comité. Donc, on a eu au moins 6 rencontres de comité depuis ce temps-là, de faire les démarches nécessaires afin d'assurer que les résultats de classement reflètent la réelle caractéristique du sirop. Donc, faire le lien entre le réel et les caractéristiques de sirop, c'est un des mandats. De faire des démarches nécessaires pour trouver d'autres entreprises, voir, benchmarker, voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, voir si on est capable vraiment d'améliorer classement et révision pour l'année 2021. Prendre les moyens nécessaires afin de régulariser le classement, donc amener des standards vraiment internationaux, c'est un peu cet élément-là, et établir les références des différentes caractéristiques des normes de classification. Donc, on regarde un peu toutes les différentes caractéristiques de savoir, on regarde un peu le besoin de l'industrie et les caractéristiques, et on travaille avec ça. Donc, au niveau du comité de classement, en août 2020, là, on a eu les PPAQ, on a commencé à faire le comité de classement, on voyait ça arriver, là, ça n'avait comme pas de bon sens au niveau des résultats. Donc, on s'est fait demander de commencer le comité de classement.
Et on a eu à environ 6 reprises, là, dans le fond, des comités depuis le début là, du mois d'août. Donc, ça fait environ à chaque 3-4 semaines. Là. Il y a eu beaucoup d'emphase à ce niveau-là. Et le mandat, c'était réévaluer le système de classement actuel et aussi le mandat d'Assad Division Inspection. Donc, 4 administrateurs, des employés du mise en marché des PPAQ qui avaient également dans ces comités-là. Si on va au niveau des prochaines étapes en 2021, donc, moderniser le système de classement. Là, on a amené ça, là, stratégique, tactique, opérationnel. Les axes, les gros axes, les priorités qui sont travaillées, là, au niveau délai du classement et des révisions, classement durant la saison, qu'est-ce qui affecte directement, là, ça peut affecter, là, si au niveau de la fermentation et tout dans le processus, sûrement à la fin du classement. Logigramme des saveurs, nous autres, on met ça, logigramme des saveurs, ça veut dire les seuils vraiment, le bourgeon entre VR12 et tout, l'intensité, la force d'intensité au niveau des caractéristiques de saveurs et hiérarchisation des caractéristiques du goût. Donc, vraiment mettre les bons termes, les bons mots, dans le fond, au résultat de c'est quoi qu'on sent dans la bouche organoleptiquement au niveau des vérificateurs. Donc, troisième point, laboratoire central doté de langue électronique et d'intelligence artificielle. Donc, il faut que les technologies viennent supporter le processus opérationnel des laboratoires centraux. Reconnaissance internationale des opérations de vérification de qualité, donc j'en expliquais tantôt, il faut amener, standardiser une maturité au niveau de la reconnaissance internationale au niveau de ce processus-là, qui nous distingue vraiment des Américains et des autres, dans le fond, au niveau du Canada. Mise à jour de la réglementation des normes, donc cette mise à jour-là, on va travailler pour 2021 à la mettre à jour selon qu'est-ce qu'on va avoir décidé, toutes les différentes analyses qu'on va avoir faites pour 2021, c'est en toi l'objectif. Deux dernières acétates au niveau du classement de la récolte 2021. Donc, qu'est-ce qui a été admis, décidé en janvier au CA de janvier? Bon, aucun classement par les acheteurs. Non-présence des producteurs, c'est certain là, à cause de la COVID, c'est copié-collé à cause de la COVID. Détail des saveurs, donc VR1 qui est de saveur nature, donc reste inchangé. Donc VR11, ça va être bois, VR12, ça va être sève, VR13, ça va être caramélisé. Donc on pense qu'il y a un marché, les acheteurs pensent qu'il y a un marché potentiel pour développer ces types de caractéristiques-là. Mais le VR4, le détail, on a juste eu 80 % de toutes les VR4, là, que 20 % dans le fond que les gens y ont détaillé si c'était au niveau soit de l'antimousse, soit au niveau du métal ou au niveau de la fumée. Quatrième point, COVID-19, comme je vous expliquais, même ligne directrice et procédure d'hygiène spéciale d'Assad Division Inspection pour 2021, copier-coller. Et les deux derniers éléments qui sont un petit peu plus en lien avec vous. Donc, pour toutes les demandes de révision, les producteurs devront eux-mêmes faire la demande dans les 15 jours ouvrables là, quand vous allez recevoir vos résultats. Donc, ce processus-là se fait soit par le web, je pense que c'est 2/3 des producteurs qui vont par le web, puis l'autre tiers que là, il n'est pas encore par le web. C'est certain qu'on voudrait amener plus le dernier tiers vers le web. On va trouver le processus qui va être fait. On va vous envoyer de l'information personnalisée chez vous pour que vous sachiez exactement la façon de procéder pour faire les révisions. Puis, vous allez devoir remplir l'annexe J, demande de révision de classement, pour pouvoir l'envoyer à cette division inspection et à nous également. Donc, le processus de 25 $ facturé au producteur pour chaque demande de révision, il est valide si la valeur supérieure n'est pas au niveau du résultat. Là. Fait que dans le fond, si le résultat est positif, vous n'allez pas payer le 25 $, mais si le résultat reste pareil ou retombe négatif, c'est certain que vous allez payer le 25 $ dans ce processus-là. L'objectif est certain, c'est le 16 200 révisions de diminuer un petit peu plus le nombre de révisions. Parce que la valeur de notre processus n'était pas en fonction. Il y a différents éléments au niveau du VR5 et du CT, que c'est certain que les producteurs ils savent que c'est du VR5, c'est du bourgeon. Là. Fait que ça n'avait comme pas de valeur pour ce pourcentage-là de résultats de faire le processus. Donc, merci beaucoup. Bon 2021 au niveau de votre récolte. Merci. Bonjour, chers producteurs. Il me fait plaisir de vous entretenir aujourd'hui de la section contingentement. Au niveau du contingentement, pas grand nouvelle à vous donner, autre de ce qu'on vous a présenté lors de la tournée d'automne 2020, c'est-à-dire qu'on avait fait le dépôt du règlement sur le contingent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec au cours de l'été. 3 séances publiques ont eu lieu, le 9 novembre, le 13 novembre, ainsi que le 1er décembre. La Régie a entendu les demandes de changement, a écouté les présentations qu'on avait faites.
les seuls intervenants autres que les PPAQ à ces audiences-là ont été l'AETPE, qui ont fait également certaines représentations. La régie a pris ça en délibéré. On a eu une conférence de gestion le 21 décembre. Et à cette conférence-là, il a été entendu que la régie nous soumettrait un texte réglementaire pour la fin janvier, tentait de nous donner cette information-là pour la fin janvier, afin qu'on puisse en prendre connaissance. Et le 1er février, il y aura une séance de travail. Donc, le texte qu'on va avoir ne sera pas la finalité parce que la régie veut vraiment adapter le règlement à la réalité terrain. Donc, veut consulter les producteurs par rapport à ce qu'elles pensent avoir compris des présentations qu'on a faites. Donc, à ce moment-ci, je n'ai pas plus d'informations à vous donner, mais soyez assurés qu'aussitôt qu'on va avoir des nouvelles via les différentes plateformes de communication qu'on a au PPAQ, vous allez être tenus informés de l'avancement de ce dossier-là. Pour ce qui est du volet relève, on se rappelle qu'en 2020, on avait demandé à la régie de reporter le programme en 2021 en fonction du contexte de la COVID-19 et que nos employés étaient à 75% en télétravail. On trouvait qu'il était difficile de voir à la gestion d'analyser les différents dossiers, la réception des dossiers, l'analyse, puis de faire préparer le tirage au sort. Donc, la régie nous avait permis de reporter le programme en 2021. Comme vous le savez, on est encore en contexte de COVID-19. On est encore en télétravail en grande majorité au niveau des employés des PPAQ. Mais on a quand même pris la décision de procéder à l'ouverture du programme relais. Le programme devrait débuter au cours du mois de mars ou du mois d'avril. Les demandeurs auront jusqu'au 15 juin pour faire application. On va privilégier, évidemment, l'envoi de la documentation par courrier électronique et on sera en mesure de faire l'analyse des dossiers. C'est important de savoir que les demandeurs qui étaient éligibles pour la saison 2020 et qui ne seraient plus éligibles en 2021 parce qu'ils ont dépassé l'âge, bien, seront considérés éligibles. La régie, dans sa décision, mentionne que les demandeurs qui étaient éligibles en 2020 le seront en 2021. Donc, en 2021, c'est 80 000 entailles que nous mettrons disponibles pour les producteurs. Si la demande est plus grande que l'offre, bien évidemment, ce sera par tirage au sort. Et encore une fois, vous serez avisé par nos différents canaux de communication de la façon dont le tirage se fera. Au niveau de la croissance, comme on n'a pas obtenu notre nouveau règlement et qu'on ne peut pas mettre en place la façon de calculer la croissance en fonction de ce qu'on vous a présenté à l'automne, c'est le règlement actuel qui s'applique. Le règlement actuel, je vous rappelle que c'est la production des trois dernières années. Si la moyenne dépasse 105%, une offre de croissance vous est faite. Étant donné qu'on est dans le contexte de télétravail, on a pris la décision de demander à la régie pour les producteurs qui ont un plan d'érablière à leur dossier, ils n'auront pas à nous soumettre l'annexe 12. Des correspondances ont été transmises au cours de l'automne aux producteurs et ils ont été avisés de cette situation-là. Donc, si vous êtes un producteur qui avait un plan d'érablière valide à votre dossier, vous avez reçu votre offre de croissance et vous verrez que l'information sur votre certificat de contingent qui devrait arriver au cours du mois de février. Pour les producteurs qui ont reçu une offre pour qui on n'a pas de plan d'érablière, vous avez l'obligation de nous retourner l'annexe 12 et également de faire un plan d'érablière pour avoir le droit à cette offre de croissance. Ça résume un peu ce dont je voulais vous entretenir au niveau du contingentement. Je vous rappelle que nos agents à la réglementation, malgré le contexte actuel, poursuivent leur visite sur le terrain. On a mis en place différentes mesures pour assurer la sécurité de nos producteurs et de nos agents de la réglementation en fonction des différentes règles soumises par la santé publique. Donc, il est possible que vous ayez des communications avec nos agents de la réglementation. On vous invite, si jamais vous avez de l'information concernant des producteurs qui ne respecteraient pas la réglementation,
à communiquer avec nous. Je tiens à vous aviser que l'information qui nous est transmise demeure confidentielle et chaque information est vérifiée lorsqu'on en a. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2021. Puis on espère qu'au cours de l'automne prochain, on sera en mesure de se rencontrer de façon présentielle, comme ils disent maintenant. Merci, bonne journée. Bonjour. Du côté des communications, en février, janvier-février, depuis le retour des fêtes, on est en pleine préparation du lancement officiel de la saison. Donc, ce qui est prévu cette année, c'est que tous les députés de l'Assemblée nationale recevront une trousse d'informations avec quelques produits d'érable pour les mettre au courant des dernières nouvelles de notre industrie. On va faire des relations médias également avec ce dossier de presse qu'on aura préparé. Il y a une session d'entaillage habituellement tous les ans dans une érablière. Cette année, cette session-là sera virtuelle. Donc, on va profiter de l'occasion pour démontrer tout le travail qui se fait en amont à la saison acéricole dans les érablières du Québec. Et il y a aussi un dossier acériculture érable du Québec qui se prépare et qui sera plusieurs samedis dans la presse au courant du mois de mars. On table sur trois messages parce que l'industrie acéricole est en santé. Donc, on a connu une excellente saison en 2020, en fait, une saison record. Notre production, nos ventes, nos exportations sont en hausse, donc on veut le dire. L'industrie acéricole québécoise contribue à la relance économique du Québec, tout particulièrement dans vos régions. Donc, c'est un produit local, on le met de l'avant. Et la marque du Québec, Érable du Québec, est de plus en plus connue. Là, on était 4 millions à le regarder lors du bye-bye. Donc, du côté des communications, c'est important de faire ce maillage-là entre la marque Érable du Québec et les producteurs que vous êtes. On travaille sur le fait qu'on a des bonnes nouvelles à annoncer. On passe maintenant à Érable d'ici. Ça fait aussi partie des activités qu'on aura à promouvoir ce printemps. Vous êtes plus de 600 érablières inscrites maintenant, donc c'est très intéressant d'en faire la promotion auprès du public consommateur. Donc, l'idée avec cette plateforme-là est de faire le lien entre les producteurs et les productrices acéricoles et le grand public. Donc, il y aura de la promotion sur le web à cet effet-là. Encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit, que vous vendez des produits directement à l'érablière, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur Érable d'ici, c'est gratuit. Je vous ramène quelques semaines en arrière, tout juste avant les fêtes. Le ministère de la Forêt Fonds de Parc a lancé sa stratégie nationale de production du bois. Et les PEPAC ont voulu exprimer leur opinion à l'égard de cette stratégie-là qui laisse peu de place à la sériculture pour le moment. Donc, côté communication, on a préparé une lettre d'opinion, un communiqué de presse, on a ciblé différents médias et on a eu de belles retombées juste avant les fêtes. Tout de suite, en revenant, le dossier, l'intérêt du côté média s'est poursuivi. Donc, c'est certain qu'on va entendre parler d'acériculture en terre publique au courant de l'année 2021. En novembre maintenant, on vous avait parlé tout juste avant le lancement du nouveau site ppaq.ca. Ça y est, le site est en ligne et c'est toujours une plateforme qu'on utilise pour aller mettre de l'information. Donc, ce qui se retrouve au fur et à mesure au sujet de la pandémie qui pourrait vous concerner, c'est directement en ligne sur ppaq.ca. Et si vous n'êtes pas inscrit à notre infolettre, vous pouvez le faire en passant par le site. C'est gratuit, évidemment, et ça vous permet de vous procurer l'info SIRO, de recevoir l'info SIRO quelques jours avant l'envoi postal, donc de manière électronique, et d'autres nouvelles également. Donc, on vous invite à vous inscrire à notre infolettre. Et toujours sur le site, il y a un accès à la boutique des produits, articles promotionnels des producteurs et productrices acéricoles du Québec et d'érable du Québec. Il y en a quelques exemples ici. Donc, la chemise en est un autre, bouteille, tasse, il y a différents articles. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'aller faire un tour. Je vous remercie, je vous souhaite un beau printemps. Bonjour. Normalement, la tournée des régions sert à vous présenter les activités à venir.
Mais puisque les projets 2021 ne sont pas encore tous confirmés, on a plutôt pensé vous présenter les activités marquantes de 2020. Dans le contexte qu'on a vécu et qu'on connaît encore, l'équipe de promotion puis l'ensemble des agences au Québec et à l'international ont usé d'agilité et je dirais de créativité pour remplacer toutes les activités prévues qui n'ont pas pu avoir lieu par des activités adéquates, mais bien sûr tout aussi pertinentes. On s'est assuré que chacune des activités qui étaient déployées était un investissement judicieux. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de numérique. Mais pour avoir un bon portrait de ce qui s'est passé en promotion en 2020, bien, je vous invite à regarder la petite vidéo qui suit. Et ce qui me plaît tout court, c'est son petit goût unique et bien chez nous. Tu sais, c'est un produit naturel, c'est bon, c'est parfait pour faire nos recettes, puis c'est réconfortant. Welcome to Maple from Canada's online food festival. Ça vous tentait pas une recette à l'érable normale, comme, je sais pas, moi, des crêpes? J'ai dit non, Claude. Je sais. Comment ça te tente que cette année-là finisse? L'année 2020 a été, en termes d'exportation, vous le savez sûrement,
une année record. On n'aura jamais autant consommé d'érable à l'international et au Québec. Pour ce qui est de l'année 2021, ben, elle est déjà bien entamée, puis elle apporte avec elle plein d'idées puis plein d'énergie. Je vous souhaite une très belle saison des sucres. Dans les autres dossiers d'actualité qui ont monopolisé et qui vont monopoliser le travail de l'association au cours des prochaines semaines, parlons des terres publiques. C'est un très gros dossier pour 2021. Donc, rappelons les quatre objectifs de négociation ou de discussion qu'on a actuellement avec le ministère Forêt-Fonds de Parc. Le premier, c'est la tarification en terres publiques. Rappelez-vous que depuis l'année passée, on a une demande spécifique à cet effet-là, c'est-à-dire de limiter l'augmentation des tarifs des permis à l'IPC Québec. Donc, on est en discussion ferme avec le ministère à cet effet-là. On ose imaginer qu'il va y avoir des débouchés au cours de la prochaine année à cet effet-là. Au niveau des normes d'entaillage en terre publique, même principe. Il y a eu une décision historique l'année passée de revenir, en fait, au niveau du ministère par rapport aux normes. On sait qu'en 2023, il y a la volonté du ministère de changer les normes d'entaillage. Donc, les classes de diamètre 20 et 22 cm ne seraient plus autorisées. Donc, ce qui ferait perdre un nombre d'entailles est quand même considérable au Québec. On parle de 9 % des entailles en terre publique qui seraient à retirer. Donc, nous, on veut continuer à discuter avec le ministère pour revenir aux normes du ministère de l'Agriculture qui, elles, permettent l'entaillage à partir de 8 pouces de diamètre, vous le savez. Donc, ça sera un des dossiers qu'on pilotera avec le ministère des Forêts cette année. Le troisième dossier, c'est le potentiel acéricole à réserver pour le futur. Au cours de l'année 2020, le ministère des Forêts a communiqué avec chacune des régions pour cartographier et présenter au TAPGIR les hectares qui devraient être réservés pour du développement acéricole futur. Force est de constater que ces hectares réservés-là sont complètement insuffisants par rapport à notre besoin en entaille dans le futur. Donc, il y aura du lobbying, de la sensibilisation du ministère à savoir qu'on a besoin d'entailles supérieures pour pouvoir donc réserver ce potentiel-là et assurer donc le développement acéricole en temps public et privé dans le futur. Et le dernier dossier qu'on a avec le ministère à piloter, c'est tout ce qu'on appelle la protection de l'érable en général. Ainsi, vous savez, en terre privée et souvent en zone verte, par la CPTAQ. Donc, il y a une protection du potentiel acéricole qui est en sachet donc, dans cette loi-là. Par contre, quand on tombe en zone blanche ou en terre publique, souvent, il n'y a aucune protection de l'érable en tant que telle. Donc, on revendique en fait une protection de l'érable supplémentaire pour faire en sorte que le patrimoine acéricole futur soit vraiment bien protégé et que le développement acéricole du futur ne soit pas juste réalisé en terre privée, mais aussi en terre publique et au Québec. Donc, restez branchés au cours des prochaines semaines, prochains mois, pour de l'information complémentaire par rapport à ces dossiers de l'heure en terre publique. Maintenant, comme autre gros dossier de l'heure, il y a également ce qu'on appelle tout l'encadrement de la protection des milieux humides. On le sait, on vous en avait parlé l'automne passé, le gouvernement, à travers son ministère de l'Environnement, a mis en place un nouveau règlement qui s'appelle le RAFI, qui veut dire, en fait, règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement. Donc, le RAFI ne s'applique qu'en terre privée. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Donc les producteurs en terre publique ne sont pas nécessairement impactés par rapport à ce règlement-là. Ce règlement-là, rappelez-vous, il est entré en vigueur le 1er janvier dernier, donc 1er janvier 2021, et il y a un impact direct sur la production acéricole et surtout sur les rejets des eaux usées, des cabanes à sucre, entre autres. Et sur aussi les aspects construction et enfouissement de tubulures et de fondations en ce qui a trait aux espaces, aux milieux humides. Donc, regardons en détail, en fait, un peu l'impact. Donc, en fait, c'est une continuité des éléments d'information qu'on vous avait déjà communiqué l'automne passé. Donc, ce qu'on a regardé, en fait, c'est donc chez quelles entreprises il y aurait de l'impact. Donc, on a documenté le tout. Donc, en ce qui a trait aux 75 000 entailles et plus, à peu près une vingtaine d'entreprises qui sont touchées. Les 20 000 à 75 000 entailles, à peu près 375 entreprises touchées. Et forcément, le gros bloc, c'est les moins de 20 000 entailles qui représentent l'essentiel de nos membres. Donc on parle de 5 800 entreprises visées. Donc, quels sont les changements depuis le 1er janvier dernier? Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à partir de cette date-là, il y a des exigences qui vous sont demandées. Ces exigences-là sont en fonction de la grandeur de votre entreprise et surtout sont en fonction des travaux futurs que vous souhaitez réaliser à partir du 1er janvier dernier. Donc, si vous aviez dans le passé
fait des choses ou essentiellement rejeté dans l'environnement ou dans des milieux humides et que vous continuez à le faire, il n'y a aucun problème. Donc, il y a une transition qui est accordée, ce qu'on appelle les mesures transitoires. Donc, le règlement ne s'applique qu'aux choses nouvelles que vous souhaitez faire depuis le 1er janvier dernier. Donc, quand on parle des choses nouvelles, on parle d'agrandissement d'érablières, ajout d'entailles, agrandissement de stations de pompage ou de cabane à soute à titre d'exemple. Donc, si vous avez à faire des travaux d'agrandissement de ces activités-là, c'est là que le règlement vous touche. Si vous n'avez pas planifié de faire aucun changement sur votre production ou vos installations, le règlement ne vous touche pas. Vous avez comme une espèce de clause grand-père qui vous permet de faire exactement ce que vous faisiez l'année passée et de poursuivre vos activités de façon tout à fait normale. Par contre, si vous avez donc un projet d'agrandissement ou d'enfouissement de soublure ou de construction de son pompage depuis le 1er janvier dernier, là, à ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'il y a trois niveaux de demande. Donc, si vous avez 75 000 en taille et plus en terre privée, vous devez obtenir une autorisation préalable pour faire ces changements-là. Si vous avez entre 20 000 à 75 000 en taille, vous devez faire ce qu'on appelle une déclaration de conformité. Et ça, il y a des formulaires disponibles en ligne à cet effet-là. Et si vous avez moins de 20 000 en taille, vous n'avez pas à rien déclarer ou à rien autoriser. Par contre, vous devez suivre les règles qui sont édictées dans le règlement. Alors, regardons un peu justement quelles sont ces règles en milieu humide particulièrement. Donc, ce que dit le règlement, c'est que, encore une fois, si vous avez fait un changement depuis le 1er janvier, les prochains éléments de l'acétate qui suit s'appliquent à vous. Si vous n'avez pas fait de modification, ça ne s'applique pas à vous. Alors, quelles sont les règles? Donc, d'abord, les eaux usées ne doivent pas être rejetées, ce qu'on appelle dans un littoral, dans une rive ou dans un milieu humide. Vous pouvez toujours rejeter vos eaux usées dans un fossé de chemin, par exemple, parce qu'un fossé de chemin n'est pas reconnu comme étant un littoral, une rive ou un milieu humide. Par contre, si vous avez un milieu humide à côté de chez vous, et là-dessus, il y a des cartes qui existent, on pourra en reparler plus longuement après, donc vous ne pouvez pas rejeter vos eaux usées dans des milieux humides à partir de maintenant, si vous avez fait des modifications sur votre entreprise. Maintenant, si vous avez entre 20 000 en taille et plus, quand vous rejetez ces eaux-là, non seulement ce n'est pas dans un milieu humide, mais en plus, ils doivent respecter un pH équilibré, c'est-à-dire entre 6 et 9,5. Donc, on sait que les savons pour les osmoses inverses souvent vont amener un pH plus élevé qu'un 9,5, et les acides qui peuvent être utilisés pour nettoyer les pannes d'évaporateur amènent un niveau plus bas, de pH de plus bas que 6. Donc, dans ces situations-là, vous devez balancer votre pH avant de rejeter si vous avez 20 000 en taille et plus et que vous avez fait des modifications de vos entreprises depuis le 1er janvier dernier. Maintenant, au niveau de l'excavation, si vous avez le projet d'en faire, ce n'est pas permis dans les milieux humides. On parle d'excavation pour enfouir de la tubulure, par exemple, ou des fils, ou excavation pour faire, exemple, des fondations de cabane à sucre ou fondations pour des stations de pompage. Donc, dans ce cas-là, peu importe la grandeur de vos équipements, si vous avez ce projet-là, ça vous prend une autorisation pour pouvoir le faire si vous êtes en milieu humide. Et en dernier lieu, la superficie des bâtiments est limitée en milieu humide. Donc, on parle de 30 mètres carrés qui correspond à peu près à 18 pieds par 18 pieds. Donc, dans le cas de milieu humide, boisé ou d'une plaine inondable. Donc, si vous avez l'objectif de construire quelque chose qui est en haut de 18 par 18 et qui a une fondation, donc vous devez en fait avoir une autorisation préalable du ministère de l'Environnement pour ce faire. Donc, tout ceci, ça résume quand même le RAFI par rapport aux cabanes à sucre en milieu terre privé. Par contre, c'est assez complexe et on pense que dans le cadre d'une tournée d'information comme actuellement, on ne peut pas vous livrer tous les détails et répondre à vos questions. Alors, c'est pour ça qu'on a opté pour la création d'un webinaire qui va avoir lieu le 25 février prochain à partir de 17h30, qui vous permettra à ce moment-là de poser toutes vos questions et on va dédier vraiment ce webinaire-là qui va être en ligne, donc essentiellement à ce dossier-là. C'est un dossier clé et c'est important que vous compreniez bien les tenants aboutissants de ce nouveau règlement-là. Et en parallèle, on n'a pas quand même jeté la serviette par rapport à des demandes d'assouplissement de ces règles-là, parce qu'on pense que dans certaines situations, c'est un peu too much qu'on peut dire, c'est un peu intense comme limitation au niveau de la production. Donc, au cours des prochaines semaines, plusieurs rendez-vous qui sont à l'agenda pour vous. Donc, tout d'abord, comme je viens juste de le mentionner, le webinaire le 25 février, spécifiquement sur le RAFI, le règlement
par rapport au milieu humide. Également, on est en pleine tournée des régions pour l'hiver 2021. Donc, on vous invite à consulter les calendriers qui vont être disponibles pour savoir à quel moment vous allez pouvoir vous brancher pour avoir accès à votre fédération et vos syndicats régionaux spécialisés. Et en terminant, ne pas oublier l'Assemblée générale annuelle cette année qui aura lieu le 26 mai 2021. D'un point de vue virtuel, encore une fois, malheureusement, la pandémie risque de nous affecter encore là. Donc, mettez déjà ça à votre calendrier, un peu comme l'automne passé à la semaine annuelle. Donc, ceci étant dit, on espère quand même pouvoir vous voir en présence plus tard cet automne. Donc, le conseil d'administration des PPAQ ainsi que tous les employés se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente production 2021. Et encore une fois, en espérant vous voir très bientôt en présence cette fois-ci. Merci, au revoir.